Il n'est pas adopté. Le 463, Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, cet amendement vise à renforcer les garanties d'anonymat du patient dans le registre des mesures d'isolement et de contention. Le registre est un outil essentiel du contrôle des mesures d'isolement et de contention. Suite aux discussions que nous avons pu avoir précédemment sur ce sujet, je propose que c'est un amendement qui vise donc à renforcer les garanties d'anonymat du patient dans le registre. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je le mets aux voix. Madame Vonner, vous vouliez vous exprimer ? Je voulais exprimer que je suis très favorable à ce qui vient d'être préconisé et que je remercie le gouvernement d'avoir pris la précaution, en effet, de garantir l'anonymat.